dégage la passion pour chercher. C'est cette passion-là qui manqua à l'église. Parce que le feu du Saint-Esprit s'est éteint dans le cœur. Mesdames et messieurs, nous sommes pas en train de faire ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons revenir sur notre grand thème qui a pour moi l'église. Qui a pour l'église. Quelqu'un peut me donner un petit bâton là pour que je puisse pour que vous voyez. Dans la phase dernière, nous avons vu qu'est-ce que l'église. Il y a deux qui parlent de cela. Qu'est-ce que l'église? Et nous avons dit l'église. Merci beaucoup. L'église vient d'un mot grec qu'on appelle ecclésia. Ça veut dire une assemblée des personnes que Dieu a appelées. Une assemblée des personnes qui appartiennent à Dieu. Et Dieu nous a appelés à sortir de à sortir du monde. Qu'est-ce que l'église? L'église, ce sont les vrais disciples de Jésus. Tous les vrais disciples de Jésus. Qu'est-ce que l'église encore? Ce sont ceux-là qui ont été rachetés. Qui ont été lavés par le sang de Jésus. Qui sont nés du Saint-Esprit. Ceux qui forment l'église. Et nous avons dit la fois dernière que l'église, dans son sens propre, n'existait pas avant la mort et la résurrection de Jésus. Parce que Jésus a marqué un pas, un moment, et il a parlé de l'église. Il avait demandé, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi, Jésus? Ils ont dit, mais les gens disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es temps, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Élie. Jésus maintenant a posé la question à ses disciples. Mais un vous qui me suivez là, vous dites qui je suis qui. Et c'est là Pierre va ouvrir sa bouche et parler. Il dit, toi, tu es le Christ. Le Fils de Dieu vivant. Et Jésus va dire, mais Pierre, ce que toi tu as dit aujourd'hui là, ça ne vient pas de toi. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Que tu reçois cette même révélation que Pierre. Reçois la révélation de Dieu et Jésus au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accorde la révélation de Jésus-Christ. Plein viennent à derrière Jésus, mais ils ne connaissent pas. Il peut être un pasteur. Il a une grande église, voyageur dans le monde, mais il ne connaît pas qui est Jésus. Il peut être un simple fidèle, il dit ça que tu marches à l'église, mais il ne connaît pas qui est Jésus. Il peut être un diacre, qui est fidèle à son église, mais il ne connaît pas qui est Jésus. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Jésus va dire à Pierre, et dit, toi tu t'appelles Pierre. Sur ta déclaration, sur la révélation que tu as reçue là, c'est ça qui est le rocher. Mais la traduction française dit tu es Pierre et sur cette pierre. Ce n'est pas la vraie traduction. La vraie traduction dit toi tu es Pierre et sur ce rocher. Vous savez que la Bible appelle l'Éternel, le Jéhovah. Jéhovah qui est le rocher, l'ancien des jours, c'est Jésus-Christ. Et dit, c'est la révélation que tu as dit que je suis le Fils de Dieu vivant de Christ là. Je vais construire mon église. C'est ton futur. Je bâtirai mon église. Ce n'est pas encore arrivé. Il a fallu attendre. Que Jésus va à la croix d'abord. Et ressuscite trois jours après. Et Jésus s'est élevé au ciel. Où il a été glorifié.
Le Saint-Esprit est venu. C'est comme ça l'église est née à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte. À 9h du matin. Les croyants étaient rassemblés comme ce matin. Ils étaient en train de prier. Parce que Jésus les avait dit d'attendre à Jérusalem. Que le Saint-Esprit viendra sur eux. Ils étaient en train de prier. À 9h du matin, la Bible dit. Tout à coup, tristement, au moment où il ne s'attendait pas, il y a eu un grand bruit au ciel. Comme si c'était une tempête qui était déchaînée. Et la maison où ils étaient rassemblés, quand on appelle la chambre haute, et cette chambre et cette salle était remplie d'enfants. Et il y a eu du feu. La boumézi, une langue de flammes de feu qui se séparait les unes des autres. On vient de se reposer sur la tête de tout un chacun. La ruine n'y va pas. Et sur ce jour, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. La rare cancine, la cancine, un comme ça, l'église est née. Après la prédication de l'apôtre Pierre. Et la Pierre que mon amour. 3000 personnes se sont tournées à Jésus-Christ. 3000 ont accepté Jésus comme Christ, leur roi et sauveur. Voici l'église est née. Il y a environ 10 000 ans de cela. Frère, nous sommes une vingtaine génération du christianisme. Nous sommes une vingtaine génération des chrétiens. Nos grands frères, ils ont vécu la vie chrétienne authentique. Ils nous ont laissé leurs témoignages par les écrits. Ils nous ont laissé leurs témoignages dans la Bible. Et l'enseignement biblique doit continuer jusqu'au retour de Jésus. L'église est née. Nous savons maintenant qu'est-ce que l'église. C'est les croyants qui ont été rachetés. C'est des personnes, des femmes et des hommes qui sont rachetés par Jésus. Son sang les a lavés. Ils sont nés du Saint-Esprit. Et ils marchent avec lui. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les deux dimensions de l'église. Dis avec moi les deux dimensions de l'église. Dis les deux dimensions de l'église. Qu'est-ce que nous voulons dire par deux dimensions de l'église? Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce souvent tu comprends pas? Tu te demandes, est-ce que les gens se trompent ou ne se trompent pas quand ils parlent d'église? Ils appellent les chrétiens et l'église. C'est juste. Mais le bâtiment dans lequel les chrétiens prient, ils disent c'est l'église. Ça aussi c'est juste, parce que c'est les deux dimensions. Et quand des chrétiens prient dans le salon de quelqu'un, la tire sera entretenue et au bon coup. Et qui dit ça, il dit il faut écrire dans la maison de Saïda. On vient de mettre ton mandat, oui, nous, à Saïda, oui, nous. Les gens font écrire dans la maison de Joël. C'est des mamans, oui, nous, à Saïda, oui, nous. Les mamans ouvrent les yeux. On est plus, voilà. Maman m'a dit, t'as rien. Faire intercession, c'est fini. Ouvrez les yeux, écoutez ça, vous aidez très bien. C'est pour vous qu'on fait ça. Quant à moi, j'ai déjà cette connaissance, je pouvais m'asseoir là, qui n'est pas de dire. Amen. Allez, il faut continuer comme ça à marcher, il faut que vous soyez éclairés. Dis avec moi, amen, amen et amen. Amen. Dis encore avec moi, amen à la parole de Dieu. Amen. Je te pose la question, si Dieu parlait par. Et puis on interprète par rapport à ce qu'on dit dans la Bible, laquelle tu vas choisir? Elisa, je vois tes cheveux blancs, je vois tes cheveux rouges, je vois venir à 350 ans, tu vas venir là-bas, et toi tu vas pas mourir, quand on la parole de Dieu, laquelle tu vas prendre? La parole de Dieu. Alléluia! Je sais que vous avez de l'intelligence. C'est toutes ces choses-là, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans des églises prophétiques, c'est très bon.
Mais ce qu'on peut plus faire ça. Elle est à nous. On peut forcer sa passion. Mais je vous dis, la Bible, la parole de Dieu. Si toi-même tu te mets là à l'étudier, si tu cherches Dieu par la parole, tu serais un chrétien formidable. Rien ne peut contre cette parole. Rien ne peut contre la Bible de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi il faut l'écouter. Quand il s'agit de la parole de Dieu, les gens sortent, ils s'en foutent. Quand il s'agit de prophétie, les cœurs sont ouverts. C'est le diable qui fait ça. C'est être des amateurs. C'est être des chrétiens chaos. C'est être des chrétiens qui sont aveugles. Si tu es ouvert, c'est la parole de Dieu que tu vas construire. Tu vas construire. C'est pourquoi donc, mes frères ivoiriens, je vous dis la vérité. Il court à gauche, de prophète en prophète, c'est très bien. Lui, c'est un foyer. C'est la manière qu'il a une vision là. Toi, si tu peux avoir des gens qui sont enfants de Dieu, tu dois te parler. Et tant que Dieu est avec toi, le jour que toi tu es content, tu as mangé. C'est faux. Dieu est là même, le jour que la mort viendra me chercher. Dieu est là, le jour que je prie, le Seigneur est là. C'est partout, que ce soit dans un trou, que ce soit en prison, je sors, je suis avec moi. Que ce soit dans un palais, il m'a promis, dit, je ne t'abandonnerai jamais, je crois. C'est écrit noir sur blanc dans ce livre-là. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous pratiquez pour le pasteur. Et c'est le pasteur qui doit vous dire ces choses-là. Puis qu'il met la pluie de côté, puis qu'il maintenant, nous allons passer aux choses les plus importantes. Comment guérir les malades, c'est chose qui est plus important. Chanter les démons, c'est chose qui est plus important. Prophétiser, c'est ça qui est chose qui est plus important. Ce n'est même pas des bonnes prophéties pour te dire que ta maman est sorcière. En fait, que tu te fasses tes souvent c'est cool. Ça dit, ta vie va finir comme ça. Tu vas te faire comme ta maman, tu vas aller la donner, tu n'es plus dans la parole de Dieu. Il s'en plus la Bible. C'est la Bible qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est la Bible, la parole de Dieu. Ce qu'il te faut, ma soeur, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est pas les choses dans la maison. J'ai une tension, c'est ça qui me protège. Malheur à toi. Si tu te confies aux bouteilles, il faut seulement te manger. J'ai Jésus dans mon cœur. J'ai la parole. C'est la parole vivante. Qu'est-ce que l'église universelle? Ce n'est pas l'église universelle du royaume de Dieu qui a gardé le nom, non, 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 c'est pas ça.
Et l'église universelle aussi, ce n'est pas l'église catholique, parce que le mot que tu veux dire universel. C'est pas ça. Mais maman, mon frère, ma soeur, l'église universelle dans mon fils. C'est-à-dire tous les croyants. Tous ceux qui ont cru à Dieu sincèrement. Depuis le temps de Jésus-Christ. Qu'il soit femme. Que la personne soit homme. Ça peut être un enfant de 7 ans ou de 8 ans. Qu'il soit noir. Qu'il soit blanc. Qu'il soit jaune. Qu'il soit rouge. Et nous sommes tous nés de nouveau. Ces personnes, je précise, nous sommes nés de nouveau. C'est toutes ces personnes-là, jusqu'au retour de Jésus. Ça veut dire qu'il y a d'autres enfants qui ne sont pas nés. Si Jésus va tarder à venir, c'est tout cela qui font partie de l'Église. Tous les chrétiens, tous les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Tu sont lavés par le sang de Jésus. Tu sont nés de nouveau. De tous les âges. Que ce soit les anciens qui sont morts. Que ce soit nous qui vivons. Que ce soit ceux qui vont naître. Si Jésus va tarder à venir, c'est eux qui font partie de l'Église universelle. Et l'Église universelle, elle est une. Et la window, il y a une seule Église. Dans le monde entier. Seul Dieu la connaît. Elle est indivisible. C'est ce que Jésus a dit. Je bâtirai mon église. Et puis nous allons revenir. Quand on va arriver devant, tu vas savoir que tu es une brique, une pierre taillée, tu fais partie de cette construction. Chaque chrétien est une brique, est une pierre dans la maison de Dieu. On va lire Apocalypse chapitre 7, le verset 9, pour ceux qui ont la Bible. Apocalypse 7, le verset 9. Je te fais la lecture. Et puis après cela, j'ai regardé. Et parce qu'il y avait une grande foule. Voilà. Que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue, ils se tenaient devant le trône de l'agneau. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Revêtus de robes blanches. Les et des femmes dans leurs mains. Et vous Jean quand il regardait, il a vu au ciel une très grande foule. Il a vu personne ne pouvait le compter. Ils étaient de toute langue. Ils étaient de tout peuple. Ils sont venus de partout. Et c'est eux qui forment l'église de Dieu. Et c'est eux qui forment l'église universelle. Et c'est eux qui forment l'église de Jésus-Christ. Il y a des blancs. Il y a des noirs. Il y a des jaunes. Tous les enfants. Des vieillards. C'est eux qui font l'église de Jésus. Et d'autres gens sont morts. Et leurs corps sont au cimetière. D'autres ont été mangés par des lions. D'autres sont restés dans les eaux. Mais leurs âmes, c'est eux qui font partie de l'église universelle. Donc l'église universelle, c'est la femme de tous les croyants. L'église universelle, c'est pour les croyants depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Prenons sous la main. Prenons sous la main. On ne peut pas venir à l'église pour venir simplement. Souvent, ça m'énerve parce que je vois certaines personnes
Attention, c'est de marcher avec le Seigneur. Dans l'église universelle, c'est tous les chrétiens. Les vrais chrétiens. Il y a plusieurs sortes de chrétiens. Pas les chrétiens de nom. Il y a des gens, pas les chrétiens de baptême. Pas les chrétiens de mon père est pasteur. Des chrétiens nés de nouveau. Des femmes et des hommes nés de nouveau. La question que Dieu te pose ce matin, ma soeur, mon frère, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu as vraiment changé? Est-ce que tu crois que le sang de Jésus t'a lavé? Est-ce que tu es un racheté de Dieu? Il faut penser à cela. C'est très important. C'est très important. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu acceptes Jésus véritablement. Sinon, tu ne fais pas partie de l'église universelle. Cette église universelle, tout ce que tu la composes, Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 20. Ils sont leur nom écrit dans le ciel. Ils ont leur nom écrit dans le ciel. On peut lire la partie. Il est écrit dans le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il avait envoyé les disciples pour faire un travail. Ils ont prêché. Il les avait donné le pouvoir. Ils ont chassé les démons. Ils ont prié pour les malades. Ils ont parlé en d'autres langues. Et quand ils sont revenus, ils étaient fiers. Ils étaient contents. Ils sautaient à gauche à droite. Jésus m'a dit. Dites mes amis. C'est vrai. La guérison est bonne. C'est vrai. La guérison est une bonne chose. Les miracles sont bons. Mais il y a une chose qui doit vous réjouir. C'est d'être sûr que si Dieu est avec vous. C'est d'être sûr que vos noms sont écrits dans le ciel. Dieu a un cahier dans le ciel. Dieu a un livre de vie. Où les noms des vrais chrétiens, où les noms des vrais croyants sont écrits en or. Faites en sorte que ton nom est écrit. Nous entendons là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut là-bas. C'est bon. Faites en sorte que ton nom est écrit. Pour être sûr que ton nom est écrit, Jésus te dit, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, il faut que l'Esprit de Dieu t'habite. Il faut que le Saint-Esprit t'habite. Tu deviens une personne du Saint-Esprit. Et tu vas marcher avec Dieu. Sinon, ton nom n'est pas encore écrit. Que Dieu nous en garde. Que nos noms soient écrits dans le ciel. Quand on met un enfant au monde, on peut faire un extrait de naissance. Le jour quand nous allons comparaître devant Dieu, le jour que la mort prend quelqu'un, tu ne te contrôles plus. Ton âme est dirigée tout droit vers des grandes choses. Alors, un ange va fouiller le livre de vie. Si ton nom est écrit dedans, tu rentres dans le paradis de Dieu. Si ton nom n'est pas écrit, tu es barré. Frère, voici un peu l'église universelle. Mais cette église universelle, Jésus-Christ est le chef suprême.
Jésus est le chef suprême de l'Église. La parole de Dieu dit, Dieu l'a établi. Le Père a établi son Fils en tant que chef suprême de l'Église. Il lui a mis sous ses pieds Satan. Et tous ces anges, la force, la puissance de la sorcellerie, tout ce que vous craignez en tant qu'Africains, va te dire, va pas au champ. Si les bénéfices ne doivent pas regarder à gauche, si elle était renversée, parler la bombe, même pas parler sur son cuit. Tout ce que vous craignez, Dieu les a mis sous les pieds de Jésus-Christ. Et il lui a donné pour être chef, le chef de l'Église. Jésus est notre chef. L'Église est un chef. Si nous sommes l'Église de Dieu, notre chef, c'est Papa Adama. Le chef suprême, nous sommes des petits chefs, mais le grand chef, le chef des chefs, de l'Église, c'est le Christ lui-même, c'est le Fils de Dieu, c'est Yahvé, c'est l'Éternel, c'est le Créateur, c'est le lion conquérant de la tribu de Juda. Et pourquoi l'Église a peur? Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. L'Église ne fait pas des professions aujourd'hui. Malheur à cette Église. La Bible dit d'examiner les professions pour voir si elles sont exactes. Et c'est ça qui fait trouver les chrétiens. Ah oui, je veux voir la maman là. Quand elle va prier pour moi, ah oui, oui, oui. Quand elle va prier là, elle va parler dans ma vie. Écoute, écoute. Accepte la parole de Dieu. Si la maman n'a pas parlé dans ta vie, le papa n'a pas parlé dans ta vie, le bishop n'a pas parlé dans ta vie, si tu écoutes la voix de Dieu par sa parole et tu mets en pratique, tu fais la joie de Dieu. Tu fais la joie de Dieu. Mais vous allez laisser là, de petits à tourner. Hein, papa, je vais te prendre de 1000 francs, je n'ai pas l'argent, de quoi que je viens consulter Dieu. Ça fout l'air. Ça fout l'air. Et ça fait que beaucoup de sorciers sont devenus des prophètes aujourd'hui. Je vous dis la vérité, l'Église est infiltrée. Tu vois qu'avant le diable avait les noms. On les appelait sorciers, on les appelait premiers, on les appelait tant. Ils ont su sur le contraire les appeler comme ça, ça ne va pas marcher. Ils sont rentrés dans l'Église. Ils ont créé même des églises qu'ils dirigent. C'est la sorcellerie pure. Ne pas faire être sorcier. Mais ils ont été sorciers. Tout ce qu'il raconte là, quand je parle, ton garçon est jeune là, ton papa était un marabout, quand on entend, tout ça c'est bon, ça va être du diable. Faut être rassuré. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, au lieu d'examiner la parole de Dieu, le chrétien fait toute la semaine sans lire la Bible, mais il est accroché aux prophéties. Comment ta vie va marcher? Tu seras malheureux. Tu seras malheureuse. C'est pourquoi ça ne va pas. Si tu écoutes Dieu par ta parole, il n'y a rien qui peut te parler. Ta vie va te couler. Parce que tu vas saisir Jésus-Christ. Amen. Tu vas l'aimer. Tu vas lui donner la place. J'aime les prophéties. Mais j'aime plus la parole de Dieu que les prophéties. J'aime les miracles. Mais j'aime plus Jésus que les miracles. Toutes ces choses sont bonnes. Mais des fois la parole de Dieu. Tu n'as pas de Bible ici. Quelqu'un qui n'a pas de Bible de la main. Dans la semaine qui a étudié sa Bible chez toi. Levez la main. C'est qu'on la Bible chez toi dans la semaine. La semaine. Quand tu es en voyage, tu es en fonction. Tu dois avoir ton contact sur toi. Levez bien la main. Tous. Vous voyez. C'est un jeu. L'Église nous a pas aidé. Oui, nous en passons. On laisse les chrétiens comme ça. Ah, comme il ne s'est pas dit, non. Aujourd'hui, il y a des portables où il y a Bible à nos dieux. Une Bible à sa part. Quelqu'un dit la Bible, tu peux écouter. Mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Comment tu vas faire la volonté de Dieu? Comment tu vas marcher selon Dieu? Tu mets. Tu comptes sur quoi? Et nous autres là, on avait des parents qui disaient, mon père était un excellent féticheur de mon village.
qui faisait le tour de notre province. Les gens venaient, ils consultaient, il y avait son collard, il disait des affaires. Non, quelqu'un qui dit ça, mais trop pas, quelqu'un raconte, je sais que même le diable fait ça. Ce que le diable n'aime pas, c'est la parole de Dieu vivante. Ce que Satan n'aime pas, c'est Jésus dans un cœur. Ce que Satan n'aime pas, c'est le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Ce que le diable n'aime pas, c'est une vie de sainteté que tu mènes à Dieu. Ce que le diable n'aime pas, c'est la tour à ton frère. Quand tu prends Dieu au sérieux, Dieu va te prendre au sérieux. Chante ta vie chrétienne, mais la vie plus mouillée, prends Dieu au sérieux, prends Dieu au sérieux. Et tu verras, le corps de changer, même sans prier de quelqu'un, Dieu va intervenir dans ta vie. Il y a des gens qui ne comprennent même pas la parole. Quand on l'appelle la musique, ils ne comprennent pas. Mais ceux qui comprennent, c'est les autres paroles qui comprennent. Tu as un problème. Tu ne comprends pas la parole de Dieu, lorsqu'on la fait. Tu as un sérieux problème. Tu dois commencer à demander à Dieu de vous ouvrir le cœur pour vous. Tu crois que Jésus est avec toi? Tu crois que le Seigneur Jésus est avec toi? Lorsque tu vas prier avec ta femme, lorsque tu vas prier avec ta soeur, lorsque tu vas prier avec quelqu'un d'autre, vous croyez que Jésus est avec vous? Donc tu crois? Et tu crois? Mais ce matin, nous sommes combien? Nous sommes. Puisque Dieu vous prend personne. C'est pourquoi les prières, monsieur et madame, vos prières doivent être exaucées. Je vous dis la vérité. Selon Dieu, ta prière ne dépend pas de l'église que tu fréquentes. La vérité. Ma femme et moi, nous voyons Dieu à l'œuvre chaque jour, chaque jour, chaque jour. Nos prières sont exaucées. Hier, nous a attrapé encore les mains. On lui a demandé une chose et nous croyons. Parce que c'est écrit noir sur blanc. C'est dans la parole de Dieu, c'est pas la prophétie qui te fait rêver là. Ça est dans la parole de Dieu. Il dit si des personnes se mettent d'accord pour demander une chose quelconque, moi je les donne. Si des personnes sont ensemble, à cause de moi Jésus, je viens au milieu d'eux. Est-ce que vous croyez que Jésus est avec vous? Vous croyez que Jésus est avec vous? Est-ce que vous croyez que Jésus est avec vous? Si vous croyez, pourquoi vous ne voyez pas les choses de vos prières? Si avec moi, je suis toujours exaucé. Satan, tu te fais piquer. Dieu te fait piquer. Tu dis, tu n'es pas exaucé. Et que le jour où tu vas là, la société lui manquera des gens. Tu quoi? Moi, je suis un prince. J'appartiens au Jésus-Christ. Et sur l'autorité, sur la sorcellerie, sur le diable, sur les chefs là, c'est Satan là. Jésus l'a vaincu. Et je le petit avec Jésus-Christ là. C'est pas parce que je suis pasteur, je fais confiance à la parole de Dieu. Je fais confiance à la parole de Dieu. Si tu es là, toi tu ne crois pas. Qui te dit, il t'écoute. Lorsque tu parles, il t'écoute. Mais tu ne crois pas. Je vais voir le pasteur Léonard, la conseil bishop là. Quand il lève la main là, Dieu va les autres pour moi. Écoute.
Le passé, c'est la part qui joue avec toi. Quand tu es enfant de Dieu, attrape à ton père. Ça m'a dit qu'on n'est pas. Les gens vont parler. C'est quel enfant? Toi qui es dans une maison, comme tes parents sont là, ton papa est là, Jésus est là. Et puis tu as vu ses frères. J'attends. J'attends que maman vienne là. Je lui dis mon problème. Non, j'attends. Elle passe à faire. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais elle a dit cette chose. Quand c'est Dieu qui n'a reçu que des personnes, c'est quand c'est Dieu qui doit avoir des dieux à deux mains. Je vous dis la vérité. C'est dans le désert que tu vas se révéler à toi. C'est dans le désert quand c'est difficile. C'est quand tu ne comprends plus rien. Dieu permet que les gens ne comprennent pas l'église. Dieu comprend que les gens ne comprennent pas l'église. Il ne faut pas prendre ça mal. Tu veux que tu aies une relation personnelle avec lui. Et que tu aies une intimité avec lui. Et tu vas commencer à parler à son cœur. Au nom de Jésus. Tu ne puis pas seul. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Et Dieu dit ici à quelle personne. Tu te mets d'accord. Moi je me mets d'accord avec le Saint-Esprit. Je prie le Seigneur. Je sais que Dieu m'a exaucé. Alors sors de cela. Crois que Dieu t'écoute. C'est là où il y a paix ou quoi. Ça peut être dans le salon de quelqu'un. À un moment dit venir, nous avons pris la maison de la femme de la famille, qu'on appelle Griffith de sa femme. On fait des églises là-bas. On fait des églises. Où est Hélène, ta grand-sœur? Tu as fait ta grand-sœur. Elle n'est pas venue. On fait des églises chez elle. Chez qui encore? Norbert. On fait des églises là-bas. Et maman Angèle. Où est-elle, maman? Bonjour à toi. On fait des églises chez elle. Parce que je dis qu'il a où il y a deux ou trois. L'église peut être en bas d'un arbre. L'église peut être dans une case. L'église peut être dans un garage. L'église peut être en plein air. Où il y a des croyants qui sont rassemblés. Qui sont en train d'adorer Dieu. C'est l'église qui est là. C'est l'église qui est là. Pourquoi on appelle cette maison église? Parce que toi et moi nous venons prier. C'est pour que c'est toi qui Jésus dit qu'il va partir. Jésus n'est pas venu construire des maisons. Je vous dis la vérité. Les maisons sont Paul. Les basiliques sont Paul. Les grandes cathédrales sont Paul. Mais la vie des chrétiens, pour lui, les chrétiens sont les pasteurs s'en soucient pas. On fait monter des compétitions pour construire les plus grandes églises. Toutes les choses sont très bonnes. Mais ce que Jésus est venu construire, ce que Jésus est venu bâtir, c'est la vie des hommes et des femmes. Jésus est venu bâtir nos vies. Jésus est venu nous construire. C'est toi qui es l'église. C'est toi qui es l'église. Toi et moi nous sommes l'église. Quand nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Et Jésus dit qu'il va bâtir son église. Il va construire son église. Sur sa parole, sur le rocher, sur sa révélation. Si tu crois en Jésus, ta vie est partie sur le rocher. Rien ne peut contre cette fille. Rien ne peut contre toi. Tant que tu demeures en lui, que Dieu le bénisse. Tu as besoin de les églises locales. Ils sont très nombreux. Ici c'est le monde entier. Et si c'était le monde, c'était les croyants simplement. Et si c'est le monde, voici le. Il y a combien d'églises sur la terre? Et au quartier ici, le quartier de Solidieux, combien d'églises locales? Donne-moi le nom d'une église locale. Ah, ici. Donne-moi le nom d'une église locale. 517. C'est l'église locale? Femme-ci. C'est une locale. Méthodiste. Tout ça là. Ce sont les églises locales. Dis avec moi. Les églises locales. L'église, c'est pas. Moi, mon église est propre. C'est pas vrai. Il n'y a aucune église locale qui est très propre comme Dieu. La seule église universelle. En elle, c'est la propreté. Elle est pure. Il n'y a aucun faux chrétien. Il y a un faux croyant. Mais les églises locales là, vous voyez le rouge que j'avais là, ami là. Les faux chrétiens sont là. Les sorciers même viennent s'asseoir. Je vais aller à l'église pour me cacher.
Je comprends. Si à l'église, ils sont seuls à te manger. Mais je refuse en nom de Jésus-Christ. C'est pas ces quatre murs-là, tu vas faire que tu seras protégé. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est quand tu marches avec lui. Donc les églises locales, il n'y a pas d'église locale où il n'y a pas de faux frères ou de fausses sœurs. L'église locale, les premières églises locales dans Actes 5, le verset 1 à 10. Vous connaissez les histoires, c'est Ananias et Saphira. Dis avec moi, Ananias et Saphira. Tu connais les histoires. Ce monsieur et madame, tu voulais faire l'œuvre de Dieu pour chercher moi. C'est pourquoi je vous en supplie. Les mamans, ne fais pas l'œuvre de Dieu pour chercher moi. Les frères ne fais pas l'œuvre de Dieu pour chercher moi. Il vient chercher moi, puis c'est tombé sur eux. Il vient chercher notre vie, c'est comment sur quel? C'est un faux frère à l'église. Et il y en a encore dans l'église de Corinthe. Il y a un qui avait pris la femme de son papa, tellement il est impudique. Lui, son truc, il reste pas tranquille, il veut montrer des garçons. Il est allé arracher la femme de son papa pour marier. Et il est content de venir à l'église. Il y avait des serviteurs de Satan comme aujourd'hui. Ils ont créé l'église. Ils étaient des pasteurs. Ils prêchaient la parole de Dieu. Mais l'apôtre Jean a dit à eux, les émissaires du diable. Il dit, mais ce n'est pas étonnant. Puisque les maîtres Satan même se déguisent à un an de lumière. C'est pourquoi souvent vous partez, on dit qu'un génie a parlé à votre grand-père, il avait soif. C'est un an de lumière. Satan n'est pas gentil. Il fait ça pour gagner toute sa famille. Il fait ça pour gagner le village. Il fait ça pour gagner, comment on appelle, toute une région. Mais là, tout ça n'a pas l'air si y a man boussongi. Ah, man goto. Y a un bel homme qui est en train de se faire. Et dans l'église, elle était à Tira, à l'Apocalypse. Il y avait une femme qui prophétisait. Tellement elle prophétisait très bien. Elle était impudique. Quand elle sait qu'il y a un homme de Dieu quelque part, elle va se coucher avec lui. Elle enseignait aux chrétiens que ce n'est pas interdit. Si tu es une jeune fille, tu peux avoir un cas. Elle enseignait aux chrétiens que ce n'est pas interdit. Si tu es un jeune garçon, tu sais que ton corps là, il va commencer à parler, il va voir une copine. Et l'enseignant chrétien, il faut manger les viandes de sacrifices. Hein? Tu sais que c'est ta tradition. Cette fête de génération là, c'est pas interdit. Tu peux manger les viandes. Ce qu'on va faire sur le foutu là, tu peux manger. C'est même Dieu là. Et ils ont encouragé les chrétiens. Comme vous le savez, si vous en Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, des soi-disant hommes de Dieu, j'encourage l'impudicité, des soi-disant hommes de Dieu, j'encourage l'adultère, des soi-disant hommes de Dieu, j'encourage la jeunesse à la perversion. C'est pas Dieu. Par contre, j'en dis ces gens-là. On les reconnaît par les fruits. Ce sont des émissaires du diable. Ce sont des serviteurs de Satan. Satan n'est pas venu encore. Satan n'est pas venu avec lui aujourd'hui. Satan ne parle pas des hommes. Il va utiliser des pasteurs. Il va utiliser des apôtres. C'est pourquoi ne connaît pas votre tête à n'importe qui. Vous qui battez dans le programme. Je vais te dire ça. Et puis après, tu es
donner. Et après, il y a eu une poïda. Je te deviens plus ton tout cœur de plus rester tranquille. Chaque fois que tu sais pas. Parce que là, sa vie n'est pas propre. C'est une critique de l'endroit. Il a communiqué les démons et qu'il y a des problèmes. Regardez, marchez sur la parole de Dieu. Malédiction est tombée sur la personne. Tout ce qui vient avec l'esprit de sorcellerie, si tu ne veux pas changer, je maudis ta présence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Change de vie. Jésus t'aime. Si tu ne veux pas changer, tu peux aller avant ton temps. Il n'y a pas aucune église où il n'y a pas de beaux frères. Et vous le savez plus que moi, encore une fois, il y a des églises qui ne sont même pas des dieux. Sans blé, ce n'est même pas Dieu. Les pasteurs à la télévision. Il voyait qu'il y a deux enfants. Il a encore regardé. Voici sa canne là. Ça fait 2 mètres de hauteur. Donc, il a une canne tortille là. Et puis, il avait le chapeau grand. Il manque à l'image. L'église allait être comme le babatier. Jésus arrive. Un mortel comme ça, un maudit. Il ne presse pas la parole de Dieu. Il ne presse pas Jésus. Il nourrit sa propre pancra. Et ce jour, un jour viendra, vous allez le faire tout ça. Un temps viendra, Jésus va se lever. Jésus va se lever. Ça fait partie des signes du nouveau testament, de retour de Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, attache-toi à ton église. L'église où Dieu t'a mis, elle est une petite église, elle a une bonne chorale, elle ne se fait pas bien. Dieu a fait tout ça, mais il t'a envoyé dans cette église. Il ne sait pas parler français. Le français des pasteurs a même mélangé. Il n'est pas vers ça. Dieu a fait tout ça, mais il t'a envoyé dans cette église. Ici, là même, on n'aime pas. Ouais. Tu veux qu'on t'aime? Toi, commence à aimer les gens, c'est vrai. Tu vas t'en faire lorsque tu n'es pas là, les gens sont clairs que tu n'es pas là. Parce que tu es important. Mais là, quand tu finis, avant qu'on dit amen, toi tu es déjà parti. Et puis tu veux que quelqu'un t'aime. Pourquoi? On ne va pas t'aimer, je te dis la vérité. On ne va pas t'aimer comme ça dans les villes. Nous sommes là, c'est lui de Boukinabé, Surtout quand le pasteur est sorcier. C'est grave. Pasteur a mis un fer. Il couche avec toutes les femmes. Celui qui fait les bêtes des femmes, les mamans, elles sont des femmes des gens. Elles sont se déshabiller, elles sont grave. Comment tu peux laisser Jésus plus grâce à ce grand sauveur de quelqu'un? Ils sont se déshabiller et puis on filme. Toi, tu n'as pas honte, tu viens comme ça. Tu t'arrêtes d'abou, comme on fait là. Et puis on prend de l'eau, on met la foi devant les gens. C'est la publicité, ça fait les télévisions. Avant de voir Dieu, la Bible a dit que dans les derniers temps, il y aura toutes ces choses-là. Il y aura toutes ces mauvaises choses-là. C'est entendre le nom de l'Église. Mais il y a les vrais hommes de Dieu. Il y a les véritables enfants de Dieu toujours. Dieu a regardé des personnes qui sont pour lui. Il appartient. Alléluia.
Ça fait du mal, c'est du sérieux. Il m'a donné la lèvre de ceci. Ça s'arrête là. Les églises locales. Et moins d'eau. Il y a quoi qu'il faut. Oui, là, si vous parlez, il y a des faux frères. Babio. Des faux sœurs. Et Babio Babio. Des faux messagers. Oui, là, ce n'est pas à cause de ça que tu vas dire que tu n'as pas fréquenté l'église locale. La parole est là maintenant qu'il est faux, il nous parle. C'est dans cette église qui sont fous là que tu as fait détailler par sa parole. C'est quoi que tu as fait? C'est Dieu qui laisse faire. C'est Dieu qui laisse faire. Oui, là, va dire. Il est pour aider le point. Je crois que c'est absent. Et son rendez-vous, dans la vie. Un jour, demain, il va te finir. Beaucoup sont de plus en plus à cause de ça. Il y a des chrétiens qui les ont détruits. Et même si ces personnes ceci changer, la langue se détruit d'autres personnes. L'église locale n'est pas propre. Il y a des fausses personnes. À l'église catholique, et il y a des sorciers. Son bébé. Et il y a des bons chrétiens. La tire à qui mais.